marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki, Asiki, pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'Eneam, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Amis internautes de Guérite TV Monde, bonjour et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Nous démarrons avec la première rubrique, la revue des titres avec Charles Alban Daoui. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. Nous sommes jeudi 2 novembre 2023 et la revue des titres démarre avec le quotidien Maison La Guérite. Polémique sur la supposée limitation des naissances, Vlavonou intervient et défend Talon. Le chef de l'État ne veut œuvrer que pour le bien-être des populations. L'Église catholique n'enseigne pas autre chose. Sixième édition du Salon Afrique Unie, un grand événement attendu à Cotonou. Adjatcha News, ouverture de la deuxième session ordinaire de 2023 du Parlement. C'est parti pour 3 mois d'intenses travaux. Les temps forts du discours du président Vlavonou, les députés admis dans divers grades de l'Ordre national du Bénin. Gouvernement, lire l'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres du 31 octobre 2023. Autre titre à la une de ce quotidien, différents types de cancers chez la femme et mesures préventives. La session WEME de l'AFEB sensibilise enseignantes et apprenantes. Paris gagné pour Marie-Noël Adjamossi et son équipe. Célébration de l'excellence à Accro, Miss Rété. La CA de Vacon, Gisèle Victoire Ronsounou à Zandegbe récompense les filles méritantes. Mairie de Porto Novo, un budget primitif de plus de 6 milliards 500 millions de francs CFA pour 2024. Et puis examen du CQM rénové, session d'octobre 2023, le top d'une nouvelle ère. Matin libre, paternité responsable, une loi se précise sans un débat. Appel aux enseignants retraités, le gouvernement justifie, mais 3 points de suspension. Le matinal, lutte contre l'insécurité à Cotonou, la police démantèle un ghetto. 3 personnes interpellées, soit 15 boulettes de chanvre indien et 19 motocyclettes saisies. Le Béninois libéré, libération de Rekia Madougou, Joël Aivo et consorts. La condition du camp Talon, l'honorable Eustache Akpovi dit haut et fort, ce qui est caché. Une cérémonie de distinction des députés de la 9e législature, 7 grands croix et 68 commandeurs. Retour maintenant au quotidien Maison. Promue dans l'Ordre national du Bénin, Olga Kitobi reçoit sa distinction. Et pour finir, amélioration de la prise en charge sanitaire à Porto Novo, la mairie équipe bientôt les centres de santé. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce jour, jeudi 2 novembre 2023. À demain. Nous passons tout de suite à l'invité du jour. Quand on dit ici du secours, déjà l'appellation même dit ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une ici de secours en cas de danger. C'est par là que vous pouvez sortir. Si nous prenons le cas, par exemple, les véhicules de transport en commun, les bus interurbains, vous allez toujours voir ici des secours. Et quelque part, il y a aussi un petit marteau rouge encastré dans une application bien donnée. En cas d'accident, ça vous permet d'abord vous casser la vitre et vous prenez le marteau. C'est pour casser maintenant le pare-brise ou bien la vitre du véhicule pour pouvoir sortir et vous dégager de tout accident et mortel. C'est pourquoi on dit issue de secours. Mais il faut dire en réalité que dans la pratique, ce n'est toujours pas comme ça que cela se passe. Parce que les gens sont effrayés, ils sont déboussolés, ils ne savent pas
ce qu'il faut faire. Donc, nous devons normalement sensibiliser tout usager de la route et tous ceux qui empruntent ces moyens de transport pour aller d'un point A à un point B, que si vous rentrez dans le véhicule, voilà les dispositions qu'il faut prendre en cas d'accident de la route. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après la virgule dans le forum de discussion. Le forum de discussion du 2 novembre 2023, c'est avec vous, Charles Al-Bandaoui. Charles Al-Bandaoui, bonjour. Bonjour, Latif Otkawena. Différent entre bailleurs et locataires, un propriétaire vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme. Pour quelle raison? Oui, vous savez, les faits qui ont été rapportés dans les médias font état de ce que le locataire devait de l'argent à son propriétaire et l'un des éléments du propriétaire est allé défoncer la porte du locataire, a pris ses effets, les a vendus au motif que ce dernier devait donc de l'argent, avait donc des impayés de loyer. Il a vendu ses biens et il dit avoir utilisé l'argent issu de la vente de ses biens pour solder, pour payer donc ce que le locataire devait. Il a fait aller au tribunal et celui qui allait prendre les effets et le propriétaire de la maison a été condamné à 2 ans ferme de prison. Vous voyez, c'est des faits qu'il faut, il faut suffisamment relayer dans les médias. C'est des faits dont il faut faire écho parce que, vous savez, nous sommes dans une société où, d'une façon ou d'une autre, vous êtes amené à faire l'expérience de la location. Et donc, du coup, lorsque vous êtes dans cette posture-là, parfois et malheureusement, les propriétaires de maisons, beaucoup, pensent qu'ils ont tous les droits sur le locataire. Ils fonctionnent parfois un peu comme si celui qui est venu louer chez eux n'a pas de droit. Je pense qu'ils se trompent largement. Et avec cette décision rendue et cette condamnation, je pense que ceux qui sont, ceux qui s'informent doivent comprendre désormais que oui, la personne a beau louer chez vous, la personne a beau être dans le statut de locataire, il a des droits et qu'il faut respecter. Et l'un des droits primordiaux, c'est la préservation de son intimité. Votre maison que vous avez louée, vous ne pouvez plus accéder à la chambre du locataire comme vous le voulez. C'est son espace de vie, son espace privé. Il est le seul à pouvoir vous donner accès à cela. Et donc, vous ne pouvez pas vous prévaloir du titre de propriétaire et faire irruption dans une chambre que vous avez louée à quelqu'un. Vous êtes en infraction et vous pouvez même faire l'objet de violation de domicile. Donc, vous voyez, il y a des paramètres que les gens ne comprennent pas et qui les amènent à commettre tellement d'impairs à l'endroit donc de ceux qui sont en statut de locataire chez eux. Et ceux qui connaissent leurs droits, eh bien, quand vous faites ce genre de choses, ils vous amènent en justice. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, les propriétaires doivent se renseigner. Les baux en République du Bénin, le fait de louer, un espace, louer sa chambre et consort à des personnes, eh bien, ce sont des actions qui sont régies par les tests chez nous et qui définissent les droits et devoirs de chacun. Je pense que les propriétaires de maisons doivent se renseigner, doivent davantage en apprendre sur ces questions-là pour ne pas tomber sous le coup de la loi parce que, voulant exercer de façon, exacerbée leurs droits donc de propriétaire. Il faut qu'ils s'informent pour ne pas se faire traîner en justice par des locataires, pour ne pas commettre des impairs, pour ne pas commettre des actes qui vont leur valoir malheureusement la prison. Alors, Charles Al-Bandaoui, nous savons tous que les rapports entre locataires et propriétaires ne sont pas toujours agréables. Comment faire normaliser les choses alors? Oui, vous savez, pour normaliser les choses, il faut que chacun respecte les règles du contrat. Vous savez, au-delà de la législation qui existe en la matière, dans chaque maison où vous allez louer ou dans chaque espace où vous entrez en tant que locataire, il y a des règlements. Il y a des règlements intérieurs définis par le propriétaire lui-même. Il suffit de les respecter. Et puis je pense que quand on est en situation de locataire, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous avez le devoir de respecter vos engagements. L'engagement, c'est de payer à une date donnée ce que vous devez donc à votre propriétaire. Il arrive que,
les situations de vie vous rendent peut-être, comment dirais-je, la tâche compliquée. Il faut savoir régler aussi ce genre de situation. Mais il faut toujours s'assurer de respecter cet engagement-là qui est donc de régler le loyer à temps, à la date prévue. Et si il devait arriver que le loyer ne devrait pas être réglé à la date prévue, il faut que le locataire trouve les mécanismes pour quand même informer, pour tenir informé donc celui chez qui il a loué. Donc chacun doit prendre connaissance des tests qui existent en la matière, et au-delà des tests, chacun doit s'en tenir au règlement intérieur du milieu dans lequel il entre en tant que locataire, et les propriétaires aussi doivent également savoir que oui, vous avez construit votre maison, vous avez investi tout ça, si vous le mettez sous régime de location, celui qui entre et avec qui vous avez un contrat a des droits dans la maison que vous avez construit, et vous ne pouvez pas, comment dirais-je, vous comporter comme vous voulez envers cette personne-là pour ne pas avoir à traîner, à se voir traîner en justice pour des faits que nous avons cités un peu plus haut. Donc, que chacun reste dans son couloir, que chacun respecte les règles établies, et je pense que les rapports vont s'améliorer entre locataires et propriétaires. Merci à vous, Charles Al-Bandawi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce jour. Tout juste après la virgule, on retrouve Fawzia Sifou dans les actualités sportives. Le Bénin ne sera pas à la phase finale de l'épreuve de football féminin aux prochains Jeux olympiques qui se dérouleront à Paris en France. Les Amazones sont éliminées des qualifications pour le tournoi après leur double défaite face au Ghana au second tour éliminatoire. En quête de remontada après leur revers à Cotonou contre les Black Queens, la semaine dernière, les Béninoises ont courbé l'échine une nouvelle fois face à l'impressionnante équipe ghanéenne. Contre en effet les Black Queens ce mardi à Accra, dans un match comptant pour la manche retour du deuxième tour qualificatif, la team Bénin s'est inclinée sur le score de 2-0. Plus entreprenante que lors de la phase aller au stade général Mathieu Kérékou, les Amazones avaient dominé la première période de la rencontre. Les visiteuses avaient créé plusieurs occasions franches, surtout dans les 15 premières minutes. Des munitions mal exploitées par les Béninoises qui n'auront jamais réussi à violer la cage ghanéenne. Au contraire, c'est l'attaquante adverse Evelyn Badou qui va anéantir les espoirs des Amazones avec une superbe réalisation à la 65e minute. Et 10 minutes plus tard, les Béninoises vont encaisser un but contre leur champ, scellant ainsi le sort du match. Toujours dans l'actualité sportive, les CAF Awards 2023 se tiendront le lundi 11 décembre 2023 à Marrakech, au Maroc, a annoncé la Confédération africaine de football. On connaît désormais la date de la cérémonie des CAF Awards 2023. La grande fête du football africain aura lieu le 11 décembre 2023 à Marrakech, au Maroc. C'est la Confédération africaine de football qui a fait l'annonce dans un communiqué sur ses canaux officiels. L'événement consacrera le meilleur joueur africains hommes et femmes de l'année. Seront également récompensés le joueur et la joueuse interclub de l'année, le plus jeune joueur de l'année, l'équipe nationale de l'année, l'entraîneur de l'année, le club de l'année. Les deux derniers ballons d'or africains ont été enlevés par Sadio Mané et Assissat Oshawala. Victor Osimhen est le plus grand favori pour décrocher la prestigieuse récompense africaine. Le Nigérien a réalisé une saison exceptionnelle à Naples, terminant le meilleur buteur de la Serie A avec 26 buts en 32 matchs. Ces buts ont contribué à aider le Napoli à remporter son premier titre de champion d'Italie depuis 3 décennies. Et pour terminer, seul candidat en lice, surtout après le renoncement de l'Australie, l'Arabie Saoudite va abriter la Coupe du Monde 2034, a confirmé le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le marathon diplomatique de l'Arabie Saoudite ces derniers mois et les moyens colossaux déployés pour moderniser son championnat ont finalement eu raison des autres candidats en lice. Le géant État pétrolier va organiser la Coupe du Monde 2034. L'annonce a été faite ce mardi par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Déjà candidat avec l'Égypte et la Grèce à l'organisation du Mondial 2030, attribué au trio Maroc-Espagne-Portugal, l'Arabie Saoudite avait finalement abandonné ce projet pour se consacrer sur celui d'après.
Fort de son contingent de superstars dont Cristiano Ronaldo et Karim Benzema qui garnit son championnat mis à contribution, le pays de la péninsule s'est lancé dans une tournée mondiale pour convaincre les fédérations d'adhérer à sa quête. Des rencontres qui ont porté leurs fruits avec l'Indonésie qui a rallié l'offre saoudienne alors qu'elle avait envisagé une candidature commune avec l'Australie. Dernière encore en lice, la Fédération australienne a elle aussi jeté l'éponge après que la Confédération asiatique de football a porté son choix sur les poids lourds du golfe. Reste désormais à l'Arabie saoudite de gagner le pari purement sportif. 57e au classement FIFA, les Faucons n'ont jamais dépassé les phases de groupe de la compétition. Mesdames et messieurs, ne priez pas pour avoir une vie facile, mais priez pour avoir la force d'endurer les difficultés de la vie. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous demain dans le forum de discussion.